Président, Haïti, par son histoire et par sa géographie, est une nation originale. Comment pouvez-vous définir cette originalité? Je définis cette originalité de la manière suivante. En consultant l'histoire nationale et l'histoire de la colonie, Haïti a été constitué de par l'apport africain. Ce sont les peuples africains qui ont constitué la meilleure portion au point de vue démographique de la population haïtienne. C'est ce qui rend ce pays original. C'est la première fois qu'une population a été transplantée en Amérique et a pu arriver à obtenir son indépendance, les armes à la main. Haïti a la plus émouvante histoire du monde. Haïti tire encore son originalité parce que par des formations professionnelles en tant qu'ethnologue et sociologue, je dois toujours mettre en relief le métissage culturel qui a toujours caractérisé ce pays. Il y a un véritable métissage culturel de par l'apport des peuples de race blanche qui ont vécu côte à côte avec les communautés négro-africaines qui ont constitué la démographie en Haïti. Et c'est ce qui a expliqué, c'est ce qui explique l'existence de notre créole, ce beau parler. Si vous l'apprenez, vous l'aimerez comme moi. Nous l'aimons d'ailleurs, puisque nous avons l'occasion de l'entendre ici à Port-au-Prince. Et dans différents messages que vous avez adressés au peuple haïtien, Monsieur le Président, vous parlez de révolution sociale. Quel est le sens de cette révolution? Quels sont les principes qui la caractérisent? Ce n'est pas seulement dans mes différents discours et messages. C'est depuis plus de 25 ans que, en tant que sociologue, ethnologue et écrivain, que je parle de révolution sociale. Ce pays, si vous lisez très bien le livre de James Liburn, The Haitian People, vous verrez le background du peuple haïtien. Révolution sociale signifie pour nous que les 4/5 de la population ont été littéralement abandonnés et dominés par une petite élite, une minorité. C'est ce qui explique plusieurs de nos révolutions avant l'arrivée des troupes américaines dans le pays. Et c'est ce qui a expliqué la révolution de 1946, à laquelle j'ai pris part, et celle de 1956, qui m'a amené à la première magistrature de l'État. Révolution sociale signifie pour nous la promotion totale, intégrale des masses de l'arrière-pays qui ont été abandonnées et qui n'ont jamais été appelées à participer à la direction effective des affaires de l'État. Donc actuellement, c'est cette promotion des masses qui caractériserait le mieux cette révolution cette sociale. Cette promotion sociale des masses est encadrée des éléments des classes moyennes. Est-ce qu'il y a des obstacles qui s'opposent à
à cette révolution sociale? Et toute révolution rencontre des obstacles. Si vous avez bien compris la réponse que j'ai faite en essayant de définir le sens de la révolution sociale, vous verrez que après 150 ans, ce n'est pas facile de réaliser une révolution sociale intégrale. Mais nous voulons la réaliser étape par étape. Parce qu'il est temps que le pays qui connaît l'ignorance, la misère, les taudis, évolue dans la voie de la civilisation. Et quel est le problème central de votre gouvernement? Le problème central de mon gouvernement, c'est justement, en fonction de cette révolution sociale, le problème central de mon gouvernement est lié à cette révolution sociale. Nous avions rêvé d'une révolution sociale parce que nous n'étions pas satisfaits de ce qui se faisait dans le pays depuis nombre de décades, depuis nombre d'années. Le problème central de ce gouvernement consiste à reviser tout ce qui a été fait de mauvais pour contrarier cette promotion des masses de l'arrière-pays dont je viens de faire mention. C'est pourquoi le gouvernement actuel, en prenant le pouvoir le 22 octobre 1957, a instauré une politique de sévère austérité. Austérité économique? L'austérité dans l'ordre moral aussi, parce que en tant que sociologue depuis 25 ans, j'avais toujours dit qu'il fallait changer la mentalité haïtienne, qu'il fallait améliorer cette mentalité. Vous aurez beau mettre des milliards entre les mains de quelqu'un, si sa mentalité ne répond pas, s'il n'a pas une mentalité, il ne pourra pas se servir de ces milliards. Ces milliards seront dépensés en pure perte. Il faut cette réforme dans l'ordre moral. C'est ce que j'appelle réforme de la mentalité haïtienne. Mais est-ce que dans les réformes que vous envisagez, il y en a qui touchent plus directement la vie économique de Haïti? Naturellement, nous avons, en prenant le pouvoir, trouvé une situation des plus déplorables. Pendant des années, le trésor de l'État constituait la propriété privée de certains dirigeants. Nous sommes venus ici, à la direction des affaires de l'État, pour que le trésor de l'État puisse servir à élever le peuple en dignité. Est-ce qu'il y a des plans d'ensemble sur le plan économique? Est-ce que vous avez des plans de travaux publics, par exemple? Nous avons nombre de plans. Il y a un programme de gouvernement. C'est pourquoi dans la constitution haïtienne, la nouvelle, celle de 1957, il est prévu un grand conseil technique chargé d'élaborer un programme à longue échéance du gouvernement. Et il a même été rédigé un grand rapport, un programme de 2 ans par le grand conseil technique. Et ce conseil sera renforcé bientôt de par l'apport des techniciens étrangers auxquels j'ai fait appel. Donc, il y en a
Il y en a de nombreux actuellement en Haïti, les techniciens du point 4 et la SLAMSTAT, etc. Donc on peut compter sur des réalisations prochaines. On doit compter sur des réalisations prochaines. Le gouvernement doit pouvoir réaliser. Parce que comme je l'ai répété, le chômage signifie le communisme. L'analphabétisme signifie le communisme. C'est pourquoi le gouvernement seul, d'abord et ensuite, avec l'aide des techniciens étrangers nord-américains, a élaboré un programme à long terme en vue de répondre aux promesses faites au peuple. Vous venez de parler de l'aide des techniciens étrangers. Est-ce que pour réaliser un programme comme celui-là, l'aide étrangère sur le plan financier est également nécessaire? L'aide étrangère est d'une extrême nécessité parce que, comme vous le savez, tous les pays du bassin des Caraïbes et de l'hémisphère occidental sont des pays à économie ou semi-coloniale ou boiteuse. Il faut l'aide économique étrangère pour permettre à ces pays d'abord de réorganiser les finances publiques comme nous le faisons à l'heure actuelle, ensuite d'injecter, de faire une sorte d'injection de dollars afin qu'il y ait plus de circulation de numéraire afin de résoudre le problème du chômage et d'apporter un peu de soulagement aux masses appauvries, aux masses qui ont toujours été abandonnées depuis 150 ans. Et si actuellement les capitaux étrangers entrent en Haïti aussi librement ou facilement que vous le désirez? Les capitaux étrangers rentrent en Haïti parce que j'ai instauré une politique de sévère austérité. Parce que dans le passé, nombre d'investisseurs, de capitalistes, avaient peur de venir ici, en Haïti, investir leurs capitaux. On leur réclamait un pot de vin. Mon gouvernement signifie la fin des pots de vin, la fin des commissions. C'est pourquoi, prenons une compagnie comme la West India Food, par exemple, dirigée par Dan Taylor, qui depuis 10 ans désirait venir s'établir en Haïti. Cette compagnie n'a pu s'établir en Haïti qu'avec l'instauration du gouvernement du 22 octobre que j'ai l'honneur de présider. Et d'autres compagnies encore viendront parce que le but premier de ma politique, c'est de raffermir la confiance, établir la confiance pour que les investisseurs puissent venir ici aider le peuple haïtien. Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir expliqué le sens de votre politique.